J'ai suivi avec attention les conclusions portant sur le départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo, chose que je salue au regard de critiques et controverses sur le bilan de sa mission. Par ces messages, je voudrais attirer l'attention du gouvernement congolais et des organisations de la société civile sur le fait que, durant les 25 années de leur mission dans notre pays, le casque bleu de la MONUSCO aurait fait beaucoup d'enfants avec les filles congolaises selon les informations à ma possession. Je voudrais ici rappeler que ces enfants, dont le père vont quitter le pays sans aucune forme d'indemnisation, sont une bombe à retardement pour le pays et une charge énorme pour leurs pauvres mères qui ne sauront pas le scolariser. Face à ces dangers, étant donné que je reste à prévoir, j'invite le gouvernement congolais à mettre cette question sur la table et les organisations de la société civile d'initier les discussions avec la MONUSCO afin de trouver des issues heureuses pouvant garantir la prise en charge de ces enfants, leurs droits ainsi que ceux de leurs mères.